Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa cinquième saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, notre reportage s'intéresse au développement de la marque Made in Maurice. Un an après le lancement de cette appellation d'origine, les industriels fondateurs mesurent le chemin parcouru. D'abord en termes de notoriété, mais surtout avec la formation d'un lien affectif entre les consommateurs mauriciens et leurs produits. Les promoteurs du slogan « Enna nous la main la dent » veulent aller plus loin. Pour cela, ils multiplient les actions afin d'intensifier ce lien et pour que de nouveaux producteurs les rejoignent. Comment ? Pour le savoir, regarde. Quand les industriels réunis au sein de l'Association of Mauritian Manufacturers, ou AMM, lancent la première campagne de communication de la marque Made in Maurice en mars 2013, ils veulent d'abord informer les consommateurs. Ils espèrent aussi toucher leur sensibilité patriotique. Un an après, le chemin parcouru leur donne raison. En cette première année d'existence, notre objectif a été de faire connaître la marque Made in Maurice. Alors pour ce faire, on a fait une campagne de communication multimédia sous le thème de « Enna nous la met la dent ». On a donc été à la fois en télé, à la radio, dans des billboards, sur le web et aussi sur le terrain avec installation de stop-rayons à côté des produits Made in Maurice justement pour permettre aux consommateurs de reconnaître les produits Made in Maurice versus ceux qui ne le sont pas. La bonne nouvelle, c'est que la marque Made in Maurice est de plus en plus connue. Et il y a un lien affectif qui est en train de se créer entre les consommateurs et les produits qui sont Made in Maurice. Et justement, dans cette même optique, on a créé une page Facebook pour qu'il y ait un lien et une relation directe et un dialogue entre les consommateurs, les produits et les producteurs. Dans les prochains mois, on va bien sûr continuer à faire grandir cette notoriété à travers d'autres campagnes de communication, mais on va aussi donner des raisons supplémentaires aux consommateurs de choisir et préférer les produits Made in Maurice. On sera présent dans les galeries marchandes à travers des activités commerciales avec des primes à l'achat et des cadeaux. Des premières opérations commerciales sont réalisées avec la chaîne de supermarchés Winners qui fête ses 20 ans d'existence et joue à fond la carte du Made in Maurice. Pour les adhérents de la marque collective, c'est l'occasion de promouvoir leurs produits et d'expliquer leur démarche. Apollo, cette année-ci, ça va faire 34 ans que nous sommes sur le marché de Made in Maurice. Et il y a déjà 13 ans de cela qu'on n'a pas fait de dégustation. Grâce aux campagnes de Made in Maurice, on va dire que nous avons l'opportunité de faire des dégustations grâce à nos hôtesses. On va dire que les clients vont pouvoir déguster ces trois nouvelles saveurs qui est sur le marché ici à peine un an. Les entreprises pionnières évaluent les changements intervenus depuis un an. Le fait de participer au Made in Maurice nous a apporté plus de visibilité dans les points de vente. La MM a déjà fait mettre des wobbleuses aux points de vente. Ben là, ça donne la possibilité aux consommateurs de voir que voilà, ça c'est un produit qui est fait à Maurice par les Mauriciens. Au niveau du marketing, nous essayons d'appliquer le logo Made in Maurice sur tous les matériels publicitaires. Cela aide aux consommateurs de différencier les produits qui sont importés et ceux qui sont locaux et aussi à renforcer leur confiance dans les produits Made in Maurice. Au niveau des ventes, c'est encore trop tôt pour dire que ça a eu un effet parce que ça prend du temps à sensibiliser les gens, surtout à les faire connaître la différence entre les produits importés et les produits locaux. Mais en revanche, quand l'équipe de Made in Maurice organise des campagnes promotionnelles dans les points de vente, là on voit que ça redynamise les ventes. Les nouveaux adhérents s'impliquent tout aussi fortement. Ils expriment également leurs attentes. Nous participons pleinement dans le programme de Made in Maurice. En ce moment, nous sommes en train de faire des dégustations et des promotions sur plusieurs points de vente en même temps. Certainement que nous aurons une grande visibilité et nous aurons, j'espère, dans cet élan patriotique, trouver notre voie, nous aussi. C'est-à-dire que les gens connaîtront notre produit mieux et apprécieront le savoir-faire mauricien. En faisant la marque Tissalé entrer dans Made in Maurice, nous avons grand espoir aussi que tout le monde suive le pas, c'est-à-dire le pouvoir public, les organisations non gouvernementales, les socioculturelles, tout le monde on board derrière Made in Maurice parce que Enna nous la met là-dedans. Un slogan qui fait la fierté des producteurs. Et comme les consommateurs leur donnent raison, l'enthousiasme demeure intact. Nous avons en fait mis le Made in Maurice sur nos boîtes de 25 sachets. Et effectivement, il y a une augmentation de vente, une prise de conscience du Mauricien. Et ce produit, c'est nous. Enna nous la met là-dedans. À chaque fois j'entends ce Enna nous la met là-dedans, je sens une émotion extraordinaire parce que c'est exactement ça. Nous avons décidé de continuer l'aventure, c'est-à-dire de mettre le Made in Maurice sur nos sachets de thé, nos pochettes, c'est-à-dire le 500 grammes, 250
et le 125 grammes. Autant de produits qui porteront la marque Made in Maurice. Cela ne peut que conforter le président de l'AMM. Fort du bilan de cette première année, il veut aller plus loin. Il le fait savoir autour de lui et en haut lieu. Depuis un an, je crois que ça s'est vu. Notre mouvement, notre marque a pris de l'ampleur. Elle est vraiment reconnue. Pas à tout le monde aujourd'hui, ça se voit dans les supermarchés. Les gens utilisent beaucoup le Made in Maurice. Donc je crois que vraiment on a réussi à conscientiser les Mauriciens. Au-delà de cela, nous avons des nouveaux membres qui ont adhéré à la démarche et nous touchons plus de 2500 produits. Nous avons sollicité le secteur public puisque la démarche Made in Maurice est une démarche citoyenne. Le gouvernement en parle régulièrement aujourd'hui de notre démarche. Ils sont conscients de ce qu'on fait, ils sont contents de ce qu'on fait. Nous avons sollicité la aide pour les PME qui ont souvent la difficulté à mettre la main à la poche pour de telles dépenses, je dirais, pour adhérer à la marque. Et je pense qu'avec le mouvement qui se crée aujourd'hui, nous aurons une réponse positive bientôt. Dans l'attente de cet appui public, la marque collective affine sa stratégie de développement avec des objectifs à court terme. Pour la deuxième année, nous ciblons particulièrement les petites et moyennes entreprises. Il y en a plus de 13 000 qui sont répertoriées dans le secteur industriel. Dans ce secteur des PME, il existe une branche qui est forte, qui est le textile. Et au sein de ce secteur textile, on compte énormément de marques locales fortes que nous souhaitons pouvoir dynamiser et regrouper. Il y a également des produits de l'agroalimentaire, fins ou exotiques, le chocolat, les palmistes transformés, le coco, etc. Et nous souhaitons également pouvoir avoir une action ciblée vers ce secteur. Et enfin, il existe aussi les métiers de l'artisanat d'art, des métiers qui ont tendance à disparaître. Je pense par exemple aux maquettes de bateaux. Donc nous serions très heureux que, par exemple, les maquettes de bateaux qui sont vendues sur le salon nautique à Paris puissent avoir le Made in Maurice. Avec aussi des objectifs à moyen terme. Après avoir consolidé le Made in Maurice sur la base industrielle, nous envisageons, à 2 ou 3 ans, d'aller vers d'autres secteurs. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes très sollicités par le secteur des services, les gens qui fabriquent des logiciels, par exemple, qui donnent des formations, ou dans le secteur de la construction, ou dans les hôtels. Il nous est difficile aujourd'hui d'y répondre parce que cela nécessite de l'expertise, cela nécessite aussi un mandat à ouvrir. Donc pour le moment, nous nous concentrons sur le secteur industriel, mais nous envisageons avec l'aide d'autres organisations patronales d'ici 2 ou 3 ans d'aller vers l'ensemble du secteur des services et aussi des produits agricoles, puisqu'il y a une diversification agricole qui est la transformation de produits agricoles qui nous permettrait effectivement de mettre en valeur ses savoir-faire. Le modèle de croissance s'inspire de l'expérience menée à La Réunion, sans la copier car les marchés sont à la fois proches mais aussi très différents. L'association pour le développement industriel de La Réunion existe depuis plus de 30 ans et regroupe la quasi-totalité des industries à La Réunion, que ce soit dans l'agroalimentaire, le BTP ou tous les industries annexes. Nous avons développé la marque collective Nous l'a fait, qui est propriété de l'association. Donc la marque Nous l'a fait, développée par notre association il y a 5 ans pour booster la production locale, a eu un succès quasiment inespéré, puisqu'aujourd'hui nous avons une notoriété assistée de 90%, donc de la population réunionnaise qui connaît notre marque, et 50% notoriété spontanée. Ce qui sont des chiffres que beaucoup de marques nationales nous envient. Le plus important dans cette marque, au-delà de la notoriété, c'est la nouvelle relation que cela a créée avec la grande distribution, puisque la grande distribution a compris l'importance de la production locale qui détermine les emplois des Réunionnais eux-mêmes. Donc nous avons une nouvelle mode relationnelle et donc on a pu améliorer les relations entre nous et notamment dans les négociations annuelles, donc un petit peu d'apaisement lors des batailles habituelles. Des batailles qui portent sur les prix de vente des produits et leurs conditions de mise en rayon. Si ces bras de fer entre producteurs et distributeurs sont devenus habituels à La Réunion, ce n'est pas encore le cas à Maurice. La marque Made in Maurice peut-elle faciliter ce dialogue difficile? Un an après son lancement, c'est trop tôt pour répondre. L'avenir le dira sûrement. Made in Maurice, c'est bien plus qu'un joli logo patriotique. C'est bien plus qu'une marque permettant d'identifier les produits élaborés localement et conformément à des critères précis. Made in Maurice, c'est aussi une plateforme de communication. Si la marque s'expose et s'explique sur le papier, à la radio et à la télévision, principalement avec 100% Challenge, c'est surtout sur le web qu'elle veut vivre et s'exprimer le plus intensément. Accessible directement avec sa propre adresse ou par le site de l'Association des manufacturiers mauriciens, elle partage en ligne sa vision et ses valeurs. On apprend comment les entreprises peuvent y adhérer, qui sont ses membres fondateurs, quels sont les produits qu'il apporte, ce qui les rend visibles via les moteurs de recherche comme Google, aux plus de 2 milliards de terriens connectés à Internet. Sur la
newsletter publiée régulièrement, on apprend bien d'autres choses encore, comme par exemple, quelles sont les entreprises adhérentes, à quel secteur industriel elles appartiennent, ce qu'en pensent les nouveaux venus. Et enfin, si on veut en savoir encore davantage, le plus simple, c'est tout simplement d'engager la conversation sur sa page Facebook. Les promoteurs de la marque répondent aux questions et ont apparemment plein de bonnes nouvelles en stock. Notamment, ils auront bientôt des dates et des lieux d'opérations commerciales à communiquer. Avis aux amateurs de cadeaux, Made in Maurice, bien sûr. Les promoteurs du slogan « Enna nous la main la dent » en sont convaincus. La mayonnaise Made in Maurice prend. 100% Challenge repartira dans quelques mois à leur rencontre pour montrer leurs initiatives visant à mettre en valeur les produits locaux et à faire reconnaître les savoir-faire des entreprises mauriciennes afin de soutenir les emplois et encourager la création de valeur ajoutée localement. En résumé, pour montrer leur contribution au développement de l'économie mauricienne. Afin de vous montrer d'autres développements de l'économie mauricienne, je vous dis à mardi prochain, 20h40 sur MBC1 pour un nouveau numéro de 100% Challenge. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook.